Look up in the sky, it's a bird, it's a plane, nah, it's the motherfucking Bermane. Ah oh ah! -oh! Bonjour tout le monde, et re-bienvenue sur la chaîne pour TEW 2016, 4ème samedi du mois de février Qu'est-ce que ça veut dire, ça, avec la partie de la TNA 2004? Ça veut dire que c'est notre pay-per-view, c'est TNA Against All Odds 2004. Euh, <coughs> depuis le début du mois, j'ai peut-être même pas fait de... J'avais commencé à faire des recaps de choses, puis j'ai comme oublié de les faire. Il Faudrait que je refasse ça. Mais euh, pour récapituler, disons que c'est un mois qui est surtout euh, Team TNA contre Team Jarrett premier qui sera en 10 victoires va gagner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le Team Jarrett sera en 10 victoires, la TNA NWA va disband. Et c'est Jeff Jarrett qui va gagner, qui va avoir le contrôle. Si c'est... Euh, ben, avoir le contrôle. Plus ou moins, mais en tout cas. Et euh, si c'est euh, Team euh, TNA qui gagne. Team, team Jared va devoir disband et il y aura quelques, quelques gens du team de, de Jarrett qui vont être remerciés. Et voilà. Présentement, avant le pay-per-view, c'est 8 à 7 pour l'équipe de Jeff Jarrett, ce qui veut dire qu'avec deux victoires ce soir, ils vont gagner. Avec trois victoires ce soir, l'équipe de TNA vont gagner. Euh, et le dernier match, Eric Watts a perdu contre David Young à Explosion, qui a donné l'avantage. Et Eric Watts avait dit. Uh, Eric West, qui était un petit peu le représentant de la NWA, finalement, uh, avait uh, a dit à uh, Russo que s'il est pas capable de battre l'adversaire de Team Jarrett, il mérite pas d'être là. Et là, il est perdu. Est-ce qu'il va revenir sur ses paroles On ne sait pas. Uh, C'est là qu'on en est. Uh, pour la carte ce soir, against all odds, je vais essayer de faire les. Uh les show stories là, pour, le, pour le prochain mois. Donc, la carte de Guns Starlords, aussi ce qui s'est passé la semaine passée, c'est que Maximum Capacity a demandé un rematch contre Sting. Son premier match à la TNA, Capacity a perdu contre Sting. Il a demandé un rematch. Capacity, c'est lui qui a sorti Roddy Piper de, euh, de l'histoire. Et il a demandé un match contre Sting. C'était le main event la semaine passée à Impact. En fait, cette semaine à Impact. Et euh, Capacity, au départ, dès que la cloche a sonné, il a fait un Scorpion Splash ou un Stinger Splash ou un Saut dans le poteau du gros du gros port de 610 livres, par la écrasé Sting. Et il a, il, il, il s'est mis debout dessus, il n'a pas écouté l'arbitre, compte de 5, il était debout de tout son poids pour étrangler Sting. Il a fait un gros Big Splash et brisé des côtes de Sting. Sting ne sera donc pas du pay-per-view. Ou s'il est là, ben, il ne pourra pas compétitionner. Donc euh, voilà. Donc l'équipe de Jarrett voulait pas que Sting soit là pour les pay-per-view. Bon sinon le match, les matchs. Jeff Jarrett va défendre son titre, NWA, World Heavyweight Champion contre le number 1 contender, Ron Killings, the Tree Life Crew. Euh, Killings qui a une séquence de victoires incroyable. C'est lui le number 1 contender. C'est un ancien champion de la TNA. C'est à lui qu'elle revient la chance de battre Jeff Jarrett. Euh, le Tree Life Crew de BJ James et de Conan, les deux les associés de Killings. Ça c'est si BJ James est en mesure de participer. Ils vont affronter America's Most Wanted pour les titres par équipe. America's Most Wanted qui ont betrayé l'équipe de TNA au dernier pay-per-view à Final Resolution. C'est eux qui ont parti les hostilités <coughs> Ils vont donc euh, avoir une chance pour les titres parce que True Crew voulait mettre la main sur euh, euh, America's Most Wanted. Et c'était la seule façon qu'ils allait accepter de se battre. Il voulait les titres en jeu. Michael Shane va défendre son titre de la X-Division contre A.J. Styles. Styles qui a promis de gagner et qui a dit qu'il va faire de ce titre-là le titre à la TNA qui va le défendre à toutes les sauces. Dilo Brown va affronter Kid Cash, encore une fois, dans le Team TNA contre Team Jarrett. Donc les quatre matchs, c'est Jarrett contre Killings. James E. Conan contre America's Most Wanted. D'Elo contre Kid Cash et. Johnny Swinger et Simon Diamond contre Don Harris et Monty Brown suite à ce qui s'est passé dans les dernières semaines. On a euh, bien promote aussi Yuji Nagata contre Abyss, donc un match de deux colosses, deux, euh, deux, euh, deux messieurs, deux gars qui frappent fort et euh, ils vont euh, s'affronter against All Odds. Jerry Lynn va faire équipe avec Loki pour affronter Triple X. Jerry Lynn qui a eu une grosse victoire contre Christopher Daniels, dans un de nos meilleurs combats d'ailleurs. Et Daniels a péter les plombs, attaquer Lynn, Loki est venu l'aider. Donc, c'est là où on en est. Et l'autre match, Raven et son partenaire Sabu vont affronter le Gathering dans un Raven's Rules Hardcore Match. Euh, voilà. Et Raven, qui ne voulait pas de partenaire, Sabu a fait ses, dé ses débuts avec nous et est venu aider Raven. Donc, voilà. Against All odds Tonight. Et euh, on peut faire comme on avait fait la dernière fois. du Against All odds. Euh, mettre un petit. Un, 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 investir un petit 250$ pour un live music, c'est rien. Et on avait mis un special set de 1000$. On pourrait même mettre un petit 500$ pour des euh, local celebrities qui pourraient être là. Tout ça pour améliorer un petit peu la qualité du show. Ça coûte pas bien, bien cher. Ça améliore pas de beaucoup, mais ça coûte pas bien cher. Fait que pourquoi pas. En espérant que tout le monde soit là pour le show, s'il vous plaît. BJ James, on s'arrangerait après, mais peux-tu être là pour le show? Parce que s'il n'est pas là, Conan va défendre le titre. Soit seul ou soit avec Ron Killings qui va devoir pull out Double Duty. On va voir, ça va pour le pay-per-view. Oh boy, on a des incidents, c'est pas bon. Oh y'a yeah, D.L.O. Brown working elsewhere tonight. Comment ça? Travailler où D.L.O. Brown? Ah, il doit être avec la AJPW. Euh, hein? Hein? Dilo Brown, il était là dans le No Match. Aïe, euh, aïe, aïe, il va falloir trouver quelqu'un à la place de Dilo pour affronter Kid Cash. En tout cas, en tout cas, ça, là, là c'est ça. Bon, Bright House, euh, nos no, euh, pay-per-view hein, aux États-Unis, tu sais, on est sur Bright House. On est sur MTS au Canada et on est sur Omni Communications en Angleterre. On a un incident avec Chris Harris. Chris Harris qui a brightened the mood. Il a fait des dessins de ses collègues. C'est le seul incident qu'on a. wow, Yay! Comme dirait Gabby J. Um, Trevor Rhodes et Trailer Park Trash, le partenaire. Pas d'effet. De, pas OK. Um, Southeast. C'est là qu'on on a fait notre premier pay-per-view. Um, une grosse différence, southeast, admettons, ou si disons euh, New England, 6300. sortie c'est 8700. Allez, Grand Lac. on revient de là. Hum, 1000, 6002, 6003, On va aller au Massachusetts, Mass Mutual Center de Massachusetts pour notre pay-per-view. On va essayer de faire un pay-per-view en New England. Euh, J'imagine qu'on est un petit peu moins populaire en New England qu'on l'est dans le Southeast, mais pas faire toutes nos pay-per-views dans le même coin. Donc, euh, on va aller en euh, New England. Donc, on book ça. Plusieurs gros matchs ce soir. Il faut trouver un remplaçant pour d euh, Alliance Title, eh bien, on va borrow le titre. Et les titres tag team. Le junior v c'est Billy Five de la NWA. Et Liliane Kai est toujours championne féminine de la NWA. Eh bien. All right, donc on book notre show, notre pay-per-view against all odds. Et on vient avec les résultats. À tout de suite. All right, on est prêt pour les résultats de notre deuxième pay-per-view. On est euh, à Against All Odds 2004. En face de 604 000, 4 personnes au Mass Mutual Center dans le Massachusetts. Euh, en plus, chaud, on a deux matchs. On a un, un match 5 contre 5 pour commencer. On essaie de donner un peu de temps à tout le monde. C'est Team Jarrett d'un côté, ceux qui sont pas dans la main card. David Young, Glenn Gilberty, Kevin Nordcott, Legend et Maximum Capacity qui vont affronter Chris Vaughn, Rick Santel, Ray Gordy, Matt Cross et Apollo. Et on va y aller d'une victoire du côté du Team Jarrett pour donner le ton à la soirée. Euh, C'est qui qui va chercher euh, la victoire? Ben, C'est David Young qui va battre Rick Santel par soumission. Ça donne un 44 côté performance, 31 pour Apollo, 41 pour Cross, 42 pour Gordy, 30 pour Santel, 36 pour Vaughn, 33 pour Capacity, 40 pour Legend, 32 pour Nordcott, 52 pour Gilberty, 41 pour David Young. Rick Santel améliore ses technical skills avec ça. Et deuxième et dernier match de pre show Chris Sabin va faire équipe avec Sanjay Dot. Donc deux gars sur lesquels on a quand même des espoirs à long terme surtout pour la X Division contre les disciples of the new church de Sin et de Slash. Et Chris Sabin va aller chercher une grosse victoire pour son équipe en battant Sin avec le Future Shock dans un match tag team. James Mitchell a fait du bon travail. Sin était office game et Sanjay Dot aussi était office game. Ça donne quand même un 45 à Dot, 42 à Sabin, 36 à Slash et 29. Hein? notre ami euh, Sin bon, on va ouvrir la carte principale on sait que tout au long du mois c'était soit euh, l'équipe Jarrett contre l'équipe de la TNA euh, les équipes étaient déjà faites le clan jared Jarrett contre le clan Vince Russo avec Sting, avec Eric Watts, avec toute la TNA la NWA Et le premier qui sera à 10 victoires gagnait. c'est donc dire que si l'équipe de Jarrett sera en 10 victoires euh, la NWA, la TNA se, serait disband et Jeff Jarrett aurait un certain contrôle là, euh, sur euh, la TNA. Euh, et si l'équipe de la TNA et la NWA gagne, eh bien Team Jarrett c'est terminé et même chose pour l'équipe euh, de la TNA. Donc il n'y aurait plus de Team Jarrett et il pourrait euh, se débarrasser de certaines personnes. Donc c'est ça. Euh, tout au long de la soirée, on aura 4 matchs euh, par rapport à ça. C'est maintenant 8-7 pour l'équipe de Jeff Jarrett. Donc, ils ont besoin de deux victoires seulement ce soir pour se rendre à 10. L'équipe de Sting et de Vince Russo ont besoin de trois victoires. Sting, d'ailleurs, qui ne fera pas partie euh, de ça parce que Maximum Capacity a demandé un match contre Sting la semaine passée, un deuxième match en autant de mois contre Sting. Et capacité a juste attendu que la cloche sonne a écrasé Sting dans le poteau. L'a étranglé, il a monté dessus de ses 610 livres et il a fini ça par un big splash des coltes. Sting a des cold ne pourra pas participer. Il va être là physiquement, mais il ne pourra pas participer à aucun match. Donc, Jeff Jarrett, comme, comme d'habitude, un fin renard ce Jarrett-là. Donc, on ouvre le show avec le tag team match entre Jerry Lynn et Loki qui affrontent Triple X, Christopher Daniels et Alex Skipper. Um, Jerry Lynn a battu Christopher Daniels il y a quelques semaines dans un match 1 contre 1. Daniels, qui était assez compost jusqu'à maintenant, l'a pas pris du tout, a attaqué Jerry Lynn sauvagement après le match, et, euh, Alex Skipper, son partenaire, l'a joint, et, euh, Loki, qui était en rivalité avec, euh, ses anciens partenaires, le Triple X, est venu sauver Jerry Lynn, et c'est ce qui nous a mené à ce tag team match-là. Un match de 17 minutes 10 pour ouvrir le show, je me suis dit que c'était un bon match pour ouvrir, à part Loki, qui, ses performances sont so, -so. les autres, je savais que j'allais avoir de quoi de bon. Et ça me donne effectivement un strong start et ça l'a mis la foule dedans. Euh, match de 17 minutes 10. Ça va se terminer. Euh, euh, pas ce pas qui est peur mais Jerry Lynn et Christopher Daniels vont euh, à chaque fois qu'ils sont en ring un contre l'autre, c'est intense. C'est euh, de la bonne lutte. Et finalement, ben, ça va être Loki et Skipper qui vont être dans le ring. Daniels et Lynn vont se battre en dehors du ring. Les deux s'en veulent. Les deux veulent vraiment s'arracher les cheveux. Et c'est euh, peut vous dire que c'est Lynn qui a gagné. Il n'y a pas un essai de cheveux sa tête, Daniels. Mais et ça va se terminer, c'est ça. Alex Skipper contre Loki dans le ring. Et euh, Skipper va en profiter pour faire un genre de troll test à Loki. Loki qui va être étouffé un peu. Il va le battre par soumission avec un Canadian Maple Leaf, l'ancien move de son euh, mentor, Lance Storm, de la WCW. Donc euh, Loki va abandonner. 67 pour le match. Victoire de euh, Skipper et Daniels qui prennent la revanche sur Jerry Lynn. Mais euh, Daniels n'a pas réussi à battre euh, Jerry Lynn. C'était euh, Skipper qui a battu Loki. Donc on va peut-être continuer cette rivalité-là. 46 pour Loki, 69 pour Jerry Lynn, 60 pour Skipper, 69 pour Daniels. Je pense qu'il y a de quoi à faire encore avec euh, Daniels et Lynn de continuer cette rivalité-là. Ça donne un 67. Bon match pour commencer. On sait qu'on a besoin d'un 65 euh, pour euh, impressionner nos euh, distributeurs et de ne pas euh, se faire couper les droits de pay-per-view. Donc, euh, on espère l'avoir. Et en plus, on n'est pas dans le sortise. Donc, oh, je pense que nos notes sont un peu moins bonnes. Par la suite, on s'en va backstage. On sait que D.L.O. Brown ne peut pas participer. D.L.O. Brown qui n'est pas là. Euh, pourquoi qui n'est pas là ben Parce que D.L.O. Brown y travaille avec d'autres compagnies. Puis, ça qu'il y avait d'autres engagements plus importants qu'un pay-per-view. Je ne comprends pas. Je comprends pas parce que je pense qu'on est troisième compagnie. Et euh, en tout cas. Mais bon. Donc, euh, Et Sting et Vince Russo sont backstage. Et là, Sting a les côtes tapés. Il a de la misère à parler. Il est à parler. Il se tient les côtes. Russo qui dit oh, Ils t'ont pas manqué Sting. Il dit Sting disait j'ai J'aime ça, de participer, euh, Vince, pour euh, se débarrasser. Tu le sais, mais écoute, euh, qu'est-ce que tu veux faire? Et euh, Gerald Clark va rentrer dans le bureau à euh, Russo Easting. Et Gerald Clark il dit euh, Les boys, je, je, je vois que vous, vous cherchez quelqu'un pour remplacer Dilo pour affronter Kid Cash. Je suis votre homme, faites-moi confiance. Euh, moi aussi je suis là de, de ces politiques-là avec Team Jarrett. Et là Russo qui dit Oui, Gerald dit, Oui, mais c'est parce que c'est un match tellement, tellement important pour nous autres. Si on perd euh, ce soir... C'est terminé pour la NWA. Donc, toute le prestige de la NWA. Il va avoir des coupures. Les gens vont perdre leur poste. Fait qu'il faut vraiment qu'on gagne. Puis là, Jerker, dit inquiète-toi pas, si tu veux gagner, il n'y a pas meilleur que moi. Il dit quel cash Puis moi, on se connaît. des lo c'est sûr. C'est un gros morceau qui manque. Mais inquiétez-vous. Faites-moi confiance. Et Russo et Sting, surtout Sting, va dire Evans, il a raison, le jeune. Laisse-y le spot. Et Gerald Clark va être nommé comme étant remplaçant de d Low pour l'équipe de Sting. Et c'est lui qui va faire face à Kid Cash un peu plus tard. Euh, pour euh, les matchs TNA contre euh, euh, Team Jarrett. On, on sait qu'on a quatre matchs de, de, pour ça. Il y a Jeff Jarrett qui défend son titre, World Heavyweight, NWA contre Ron K. le Tree Life Crew contre America's Most Wanted pour les NWA Tag Team Titles. D.L.O. Brown de affronter d'affronter Kid Cash, ça va être Gerald Clark contre Kid Cash. Et on a aussi Johnny Swinger et Simon Diamond contre Don Harris et Monty Brown après ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Les attaques sauvages de Harris et Brown sur Swinger et Diamond. Et, D'ailleurs, chacun était chercher une victoire en solo contre l'autre parce qu'ils étaient euh, out of shape, là, avec les. Euh, surtout blessés, plus qu'out of shape. 55 pour le segment, quand même pas mauvais. On a le match pour le titre euh, ex division par la suite. Et là. Le match de euh, Styles contre Douglas, à fait un résolution, c'était un long match. Shane contre Saban, c'était un long match. Mais là, AJ Styles contre Michael Shane. AJ Styles va battre Michael Shane et assez facilement, en 9 minutes 50 avec le spiral tap. Euh, Michael Shane qui, qui, qui essaie par tous les moyens. Euh, Tracy qui va monter pour essayer de séduire Styles. Styles, il ne veut rien savoir de ça. Et Styles qui va dominer Michael Shane, bout en train du match. Et euh, Styles va gagner assez facilement le titre de la X Division en battant Michael Shane. Même pas de surprise, là, de, de close pin de la part de Shane. Ça se termine en 9,51. Styles domine. Le nouveau champion de la X Division est donc AJ Styles. Ça donne 59 pour le match. Styles a 65 et 37 pour Shane. Malheureusement, les deux ne cliquaient pas. Donc on a perdu des points à cause de ça. J'espère que ça ne va pas nous coûter. No pay-per-view deal. Ah oh boy boy. Une autre affaire qui ne work pas. Monty Brown et Don Harris don't work well as a team. Caroline. En tout cas, premier match du, euh, de la soirée du clan Jarrett contre le clan de la TNA NWA. Et euh, Johnny Swinger et Simon Diamond vont réussir à vaincre Don Harris et Monty Brown, le jeune poulet de Jeff Jarrett. Euh, lorsque Simon Diamond va défaire Don Harris par pinfall. Ça donne un 49. Euh, Harris et Brown étaient venus attaquer là, Diamond et Swinger avant leur match la dernière fois. On sait que depuis le début, Swinger et Diamond ont quitté le Team Jarrett. Et euh, ça va très bien pour eux autres en, en, en équipe. Euh, toujours des bonnes performances, surtout de Simon Diamond. Euh, donc, ils vont continuer de gravir les échelons tag team pendant ce temps-là. Ils vont chercher de la grosse victoire pour l'équipe de euh, TNA NWA. C'est maintenant 8 à 8. Après la victoire de Diamond et Swinger contre Don Harris et Monty Brown. Jarrett sera pas de bonne humeur. Ça donne 38 pour euh, Swinger, 54 pour Diamond, 36 pour Monty Brown et 35 pour Don Harris. Et là, je commence à avoir peur de ne pas faire le 65. Je pense que ça va aller mal. On a une promo de Ron Killings par la suite qui nous parle de Jeff Jarrett, qui parle du clan. Jarrett dit ce soir, euh, non seulement mes boys, Conan et BJ James vont défendre les titres de la NWA. Contre America's Most Wanted, et eh bien moi j'ai la chance de reprendre le titre de euh, la NWA World Heavyweight, titre d'ailleurs que j'ai perdu à cause des interférences de, de Jared et de toute son équipe. Euh, donc Killings, qui a, depuis, le, depuis deux mois, euh, on, tout le monde le dit, c'est lui le plus hot à la TNA. Euh, il a été vaincu et c'est un gars qui. Euh, c'est le futur de la TNA donc, uh, Kelly qui est confiant et qui va représenter la TNA et la NWA pour euh, défaire Jeff Jarrett ce soir. Aller chercher la belt. Bonne promo de kellings 71. Enfin, un bon score. Par la suite, Eugene Nagata affronte The Abyss. Et là, on avait Buildé Abyss depuis le début. Buildé Nagata comme étant des gars qui perdent pas main bien, Et euh, des gars qui, euh, non seulement qui perdent pas main mais qui dominent leurs adversaires avec leur force. Et finalement, c'est comme ça que sa match là est arrivé. Pas nécessairement d'animosité de, de, entre les deux, pas du tout même, mais, mais un match que la foule semble vouloir voir. Et euh, Abyss va donner un son meilleur match depuis euh, les débuts de notre partie, mais c'est pas suffisant pour vaincre le vieux renard Yuji Nagata. Beaucoup de renards, hein, dans le... <laughs> on dirait que c'est un, un animal que j'aime. Yuji Nagata qui body Abyss en 15-34 avec un Nagata Lock No. 2. Abyss a donné tout un match, mais c'est pas suffisant pour vaincre Yuji Nagata, qui va l'emporter en 15-34. Et là, Abyss, après le match, s'arrache un peu les cheveux de la tête, un peu comme Mankind faisait. Pas de bonne humeur d'avoir perdu, donne des coups de pied dans les cordes, et là, il s'en va. Il va commencer à donner des coups de pied dans la rampe, et là, il n'est pas de bonne humeur. Abyss, là, wow oh boy. Abyss du clan Jarrett, qu'on n'a pas tant utilisé avec Jarrett dans les derniers mois, mais c'est toujours un gars qui fait partie de ce clan-là. 59 pour Nagata, 39 pour Diabys, ça donne 57. On a par la suite Gerald Clark qui va affronter Kid Cash. Gerald Clark qui a voulu remplacer Delo Brown. Et il dit qu'il y avait ça dans la poche pour affronter Kid Cash. Ça va être quand même un bon match. Et Kid Cash va y aller pour faire sa descente de la jambe de la troisième corde. Gerald Clark va faire une pirouette y aller d'un genre de, de, de field goal kick sur cash qui est, qui est tombé à terre. Avec euh, ça descend de la jambe, boom. Gerald Clark va monter sa troisième corde, 630 splash, et Gerald Clark va pinner Kid Cash clean! Ah, against all odds, avec son 630 splash, en 12 minutes 21, ce qui donne un score de 53, 52 pour Cash, 42 pour Clark, et là je peux vous garantir qu'on n'aura jamais 65. Ça va pas bien, pantoute! Aïe, 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 j'espère qu'ils vont être patients! Et euh, sur ce qui nous intéresse, c'est maintenant 9 à 8 pour le team TNA NWA. C'est donc dire que une victoire soit de Killings contre Jarrett ou soit de, euh, de Three Life Crew contre America's Most Wanted. Et c'est terminé pour le team Jarrett. <coughs> ça donne un 53. Par la suite, Sean Waltman et Jeff Jarrett sont backstage. Et là, ça va mal. Jeff Jarrett qui est en train de lancer des papiers sur le bureau il va revirer une chaise, Sean Watman qui va dire calme-toi Jeff, calme-toi inquiète-toi pas, il dit ouais mais là le fait qu'on a, on, on a révélé que t es, t es, t es, nous autres tu peux pas interférer c'était in, notre police d'assurance là on dirait que à date j'avais euh, des tours dans mon sac là, depuis le début mais là je suis à court de tours Watman qui dit inquiète-toi pas Jeff si, je, je, I, I got you, I got you Jeff il dit arrête de dire ça Chris tu peux pas interférer, Watman qui dit inquiète-toi pas je te le dis <coughs> Et euh, Jared qui est inquiet. Et euh, voilà, donc un petit segment Jared, puis Waltman qui sont en Jared qui est inquiet de perdre ça et de le voir disband son stable. Ça donne un 69. C'est le match par équipe par la suite pour les titres NWA World Heavyweight. <coughs> le Tree Life Crew affronte America's Most Wanted. America's Most Wanted qui sont la raison que euh, Sting n'ait pas gagné le match contre... Jeff Jarrett à Final Resolution. Euh, ben, C'est une des raisons. En fait, Jarrett <coughs> a réussi à séduire Don Iris pour le ramener de son banc. Il y a euh, par la suite Chris Harris et James Storm, America's Most Wanted, qui, pendant le Lumberjack match, ont pris les titres par équipe des mains de James et de Conan pour les attaquer. Balaboum rentrer dans le ring. Et ils ont attaqué Sting avec double coup de chaise, coup de guitare. Et euh, finalement, Jarrett a fait abandonner Sting après que James Storm a donné un coup de chair sur le genou à Sting. Et euh, Jarrett a fait la prise en quatre. Donc, depuis ce temps-là, Tree Life Crew voulait affronter America's Most Wanted. Ils ne veulent rien savoir du Tree Life Crew. Mais le fait qu'ils aient mis les Tight Team Titles en jeu, ben, ils ont décidé que c'était correct. C'est la seule façon qu'ils allaient les affronter. Ça va nous donner un match de 52. Donc, encore une fois, c'est pas suffisant. Je m'attendais à beaucoup plus que ça de ce match-là. C'est quoi les négatifs qu'on a? Ah oh ouais, parce que BJ James ne voulait... voulait pas rien savoir de perdre. Écoutez, America's Most Wanted, bien sûr, vont gagner les titres par équipe de WWE pour ramener le score de 9 à 9. Donc, le match de Jared contre Killings ça sera le match final. Et bien sûr, j'imagine que, que les gens s'y attendaient. Mais euh, voilà, donc et ça va se terminer avec euh, BJ James qui va se faire battre par Chris Harris. Lorsque Chris Harris va euh, faire un pin. À, euh, James et euh, James Storm de l'extérieur Qui va tenir les pieds De euh, BJ James Pour pas que BJ James puisse euh, dégager Donc euh, voilà Dirty Pin Victoire d'America's Most Wanted Qui gagne les titres par de la NWA Ça donne seulement qu'un 52 Et ça va mal à la On a par la suite Le match 2 contre 2 Ravens Rule No DQ entre Raven, qui voulait rien savoir d'être avec personne, et Sabu qui a décidé de venir à la défense de Raven ce mois-ci. Raven a dit, Sabou, je veux pas de ton aide. Fais tes petites affaires. Et Sabu qui dit, garde, j'ai décidé de venir. Deux anciens de la ICW. Sabou qui est. Raven a dit. Et, euh, CM Punk et Dinero, les deux kings du hardcore, là, depuis qu que Punk a battu Raven à Final Resolution. On dit que. <coughs> C'est vous, vous autres les Kings Hardcore, Sabu qui. qui ça ne marche pas bien avec Sabu, là, d'entendre ça de deux euh, jeunes blancs-becs comme Punk et Dinero. Donc Sabou qui est venu aider Raven dans, euh, dans le match 1 contre 2 handicap que Raven avait gagné, mais c'était fait attaquer. Donc Sabou est venu pour l'aider. Raven ne veut pas être en équipe avec Sabou, mais ils vont quand même faire équipe. Et ils vont affronter de Gathering. Et c'est un match de 11 51 parce qu'on ne peut pas avoir un match trop long, le match Raven Rules. Et la Gathering va manger une fille de volée contre Raven et contre Sabou. Euh, Raven qui n'est pas de bonne humeur. Sabou non plus. Punk et Dinero vont euh, quand même donner un, un, un bon effort, mais ce ne sera pas suffisant. Euh, Sabu va y aller d'un moonsault là, du, euh, du stage sur euh, Dinero. Et Raven va avoir sa revanche contre CM Punk au pay-per-view lorsqu'il va lui faire son Even Flow DDT à l'extérieur du ring. Et le piné. Donc euh, Raven et Sabu l'emportent. Et c'est un carnage là, tout le long du match, un gros car crash. Ça donne 65 pour Sabu, 66 pour Raven, 48 pour Dinero, 45 pour CM Punk. Un match de 62. Sabu améliore ses performances avec ça. Et euh, Raven qui est pénalisé pour le low moral. Et voilà. Donc euh, Raven et Sabu. Grosse victoire. 62. Par la suite, avant le main event, AJ Stars fait une promo backstage. AJ Stars qui dit qu'il a enfin remis le titre sur euh, la X-Division title, un titre qui a eu dans le passé, et Edgestans qui veut rehausser l'image du titre là, de la X-Division, il veut faire de ce titre-là le titre à la TNA, un genre de site intercontinent, Edgestans qui veut finalement défendre le titre là, à toutes les sources la plus possible, et donner beaucoup de prestige à ce titre-là. Donc euh, et, euh, voilà, Donc, qui fait une promo promet de rehausser l'image du titre ex euh, division 67. Et ça, c'est ce qui a battu Shane assez facilement. Donc, on n'a pas de misère à le croire. Ouais, finalement, au moins un euh, 72 quand Ollin devine. Ron Killings, donc le genre de gros star, là, de, euh, depuis le début, va affronter Jeff Jarrett. On, on se souvient que si quelqu'un interfère, ça marche pas. Euh, et euh, Jarrett, là, tout le long du match, va essayer de sauver un peu de Killings. Mais là, dès qu'il descend à 9... Il descend bas du ring, il va remonter. Il voulait juste s'en aller puis perdre par DQ. S'il perd par DQ, il ne va pas perdre son titre. Ou pas par DQ, mais par count out. Mais par contre, il va perdre puis ils vont perdre 19 puis il va être obligé de se disband. Fait que là, il est wise, Jarrett. En fait, un moment, il s'en va. Et là, Sean Waltman qui va courir de la rampe pour dire à Jarrett Non, 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 rentre dans le ring, Jeff. Si tu te fais count out, Jarrett, tu as raison. Jarrett qui va réussir à battre le compte. Et Waltman va distraire Killings à plusieurs occasions. Et maintenant, l'arbitre va renvoyer Sean Waltman. Et là, Sean Waltman va être euh, jusqu'à dans la rampe. Et Waltman va faire euh, comme un signe de too sweet. Un signe de too sweet de la NWO, de la clique dans les airs. Et euh, Jeff Jarrett et euh, Killings. Jarrett, en fait, va euh, agripper l'arbitre. Et euh, nul autre que. Kevin Nash, l'ancien leader du Wolfpack, va arriver de la foule, va rentrer dans le ring en enjambant la troisième corde, va agripper Kellings par les cheveux, coup de pied dans le ventre, Jackknife Powerbomb du haut de ses sept pieds, et euh, Kevin Nash va juste sortir du ring. Jared va aller sur Kellings pour le pin. 1, 2, 3. Victoire de Double J. Jeff Jarrett qui a encore une fois trouvé une solution à ses problèmes. Kevin Nash qui fait ses débuts à la TNA qui va joindre le team Jarrett. Donc, la clique. Sean Waltman avec Kevin Nash, deux anciens membres de la NWO qui vont euh, maintenant faire équipe avec Jarrett. Ça donne un 72, donc une bonne façon de finir. C'est la septième défense de titre de Jeff Jarrett. Ça donne euh, 71 de performance de King. C'est 60 pour Jarrett. Est-ce qu'on fait le 65? Et Jarrett était fatigué quand à cause de la NWO. de merde. Et euh, Awful Gimmick de Old School Hill pour Kevin Nash. Je sais pas pourquoi il y avait une gimmick de Old School Hill. J'aurais dû changer avant. Est-ce qu'on fait les 65 Moi, je dis qu'on a genre 63, 64. 69, pardon Qu'est-ce qu'on a eu Un. Oh non, deux segments au-dessus de. Kellings. La promo de Kellings puis le match de Kellings-Jarrett. C'est deux seuls segments au-dessus de 70. Puis on a... Ah ben c'est peut-être le fait qu'on avait des euh, B-list comédiennes ou C-list comédiennes, puis un peu de musique, puis un set. Ça nous a... peut-être ça qui nous a, qui nous a sorti, de... sorti de la malle finalement, Mais tant mieux. Donc un show de 69, on monte notre popularité dans 17 régions. Et c'est donc dire que j'avais euh, j'avais 10 bands de la NWA. Donc je veux ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, quitter la NWA et on va créer nos, euh, nos propres titres euh, par équipe et notre propre titre mondial. Et chaque euh, année, de, de voir partager. Je ne peux, je peux pas signer personne à des contre written. Là. Je sais jamais que qui. il n'était pas là. Ça, il, il, il a tout, tout le temps des, 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 des problèmes. Là. Puis là, Jarrett qui a dû défendre son titre contre plein de monde de plein de promotions. Ce qui fait que le la prestige de la NWA, il, il était haut dans le temps parce que tu sais, affrontais les les, les, les. les meilleurs lutteurs de chacune des promotions, de chacun des territoires. Mais là, c'est pas le cas présentement là, de, de nos jours. Fait que... Voilà donc Ron Killings, euh, good performance, qui d'autre qui nous a euh, impressionné Raven, Raven qui est euh, un good example et euh, qui d'autre Qui d'autre qui mériterait un petit Rob là Ah ben euh, Jerry Lynn, Jerry Lynn et euh, Christopher Daniels là, good performance. Tout le monde est content. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, c'est quoi mes alliances parce que Je vais essayer de ne pas garder aucune, aucun Working Relation en Amérique du Nord. Parce qu'on n'a pas besoin de... Ou peut-être au Canada, mais pas aux États-Unis en tout cas. Et euh, on, peut, on peut avoir une Working Relation justement là, avec une compagnie du Japon pour qu'on puisse s'apprêter des, euh, des lutteurs ou au Mexique aussi, mais pas, en, pas aux États-Unis. Donc, euh, c'est ça. C'est mes plans que je veux faire euh, entre euh, ça et... Entre ça, entre le pay-per-view et TNA Impact demain. <coughs> Donc, euh, côté. Le contrat de ECMO se termine. Même si j'aime bien Oumaga, euh, je ne pense pas avoir de quoi pour lui pour l'instant. Euh, Loki, qui a Time to Heal parce qu'il a trop une grosse cédule. Chris Harris, qui dit que Gordy a du charisme. Ok, ça c'est le fun, on aime ça. Les, les gars qui sont positifs, est-ce que ce va être positif? Michael Shane is pretty good in the ring, nous dit AJ Styles. Pourtant, il l'a battu facilement, mais il reconnaît son talent. Et Jerry qui dit que Michael Shane is turning into a good worker. Bon, ben. Juste des, 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 de la positivité de la part de notre roster ce soir. On apprécie beaucoup. Donc, je vais avoir beaucoup de jobs à faire euh, avant euh, TNA Impact. Et je vais euh, récapituler tout ça, euh, vous dire ce qui s'est passé lors du début du prochain épisode. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est une, une nouvelle ère de la TNA. Et là, j'ai hâte à mon prochain pay-per-view parce que ça fait comme 3-4 jours là, que j'attendais d'enregistrer le pay-per-view, d'avoir le temps. Et euh, prochain pay-per-view, c'est Destination X 2004. Et euh, j'ai un gros pay-per-view en, en, en tête. Là. Je ne sais pas si je vais pouvoir avoir tout le monde que je veux pour le pay-per-view. Mais ça devrait être bon. Donc euh, c'est une promesse. Là. Ça va être un bon pay-per-view. Ça devrait être notre meilleur. Ça devrait être notre meilleur, en tout cas. Et voilà. Donc, euh, TNM Pack, demain, on va se revoir pour ce bientôt. Merci d'avoir été là pour le pay-per-view pour Against All Odds. on se revoit dans la prochaine vidéo. Une excellente journée à tous. Bye bye.